Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Acer Liquid Z630. Donc un smartphone qui a le gros avantage d'avoir une batterie, comme il est montré ici, de 4100 mAh. Donc on va regarder ça. Donc c'est un téléphone qui est vendu à 200 €, voire un petit peu moins, si vous cherchez bien. Donc téléphone Acer. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur la boîte? Alors on peut voir un peu les indications. Donc Android 5.1. Un quad-core à 1,3 GHz, un 5,5 pouces HD, un appareil photo de 8 mégapixels, un poids de 165 grammes, une batterie de 4000 mAh et il fait donc aussi GPS, micro SD et Bluetooth, donc le classique. Donc là, tous les pays où il peut être vendu, ça on s'en fout. Donc en plus de ça, on va avoir les avantages Acer, on a même le DTS et ça on y reviendra. Et là, on a le 0 gap, 0 air gap, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, pourquoi pas. Une petite boîte qui est, on va dire, assez sobre dans la qualité. Hein. On sent qu'on est sur un téléphone qui commence à être dans les premiers prix, on va dire, à 200 €. Donc, on va l'ouvrir et donc on découvre directement le téléphone. Donc, hop, je le sors. Donc, un téléphone, je vous montrerai à la prise en main ce qu'il peut donner. Donc, un téléphone plutôt sympa qui, malgré le prix, la batterie reste quand même avec des dimensions et un poids assez raisonnables, comme je le montrerai au test. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Eh bien, on trouve le classique micro USB dans un bel emballage, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, voilà. Donc après, au vu de la gueule de la micro USB, je ne sais pas s'il tiendra longtemps, parce qu'il faut savoir que les micros, enfin les câbles ont beaucoup tendance à comment dire, lâcher. On a ensuite un chargeur Acer de alors il balance du 1,35 ampères, donc c'est pas ultra mauvais, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui, sachant qu'on est globalement sur du 1,5 ampères. Ici on a le kit main libre, alors tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai l'impression que ça fait très Samsung, hein. Bon, après ça reste des kits main libre assez classiques, le filet fin, voilà, c'est vraiment pour servir, parce que bah, il faut bien respecter la loi française. On a bien sûr la garantie, on a ici les informations de sécurité, normalement ici, le guide rapide de démarrage. Et c'est à peu près tout, vous voyez, c'est très très simple, c'est très simplifié. Donc on peut voir un petit peu que ça reste comment dire, tout à fait classique de ce qu'on voit. Après voilà, on sent quand même que là on est sur un téléphone qui ne vaut plus, qui ne vaut pas très très cher. Et c'est pas dans la boîte qu'ils ont mis un maximum d'argent, ils ont mis le minimum, ça reste efficace, mais c'est le minimum, ça se voit. Et donc c'est à peu près ça. Au niveau du téléphone, on va faire un petit tour vite fait, et ensuite on fera donc une petite vidéo de prise en main. Donc un téléphone qui, en termes de taille, n'a pas trop à rougir face à d'autres téléphones d'à peu près de même gabarit, de 5,5 pouces. Il est un petit peu plus large, il est un petit peu plus haut que le Redmi Note 2, mais avec une batterie de 4000 mAh, donc c'est quand même beaucoup plus imposant. Au niveau du design, on retrouve vraiment la marque en fait des Acer, des Liquid, avec notamment ce dos-là qui est plutôt sympa, qui fait un peu style métallisé. Je trouve qu'il est plutôt bien foutu. Alors, on va ouvrir. Donc. Et on voit un peu la batterie. Hop. Donc, la batterie qui est juste énorme. Hein, 4100 mAh, on sent qu'il y a une différence. Alors, si on compare avec... Donc une 3000 mAh, voilà ce que ça prend en place hein, de différence. On sent qu'il y a quand même une taille supplémentaire, hein. Ça se voit tout de suite. Donc c'est ce qui donne aussi cette hauteur supplémentaire sur le téléphone. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose. On peut voir qu'il est aussi dual SIM. Et on peut voir qu'il prend en charge les micro SD. On peut voir l'appareil photo. Et donc le petit haut-parleur en bas. Donc voilà, quelque chose de tout à fait classique. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, elle reste amovible. Donc ça, c'est quand même un avantage qui se perd de plus en plus sur tous les téléphones. Même maintenant, sur les téléphones à 200 €, on ne peut pas forcément les retirer. Donc c'est quelque chose qu'à garder Acer. Et c'est même plutôt bien par rapport au Liquid Z S, où par contre, on ne pouvait pas l'enlever. Là, on a une 4800 qu'on peut enlever. Donc ça, c'est super cool. Et en plus, il est dual SIM. Et en plus, on a la micro SD. Donc il a tout pour plaire, en tout cas sur le papier. On peut voir ici la mention DTS. Et on y reviendra un peu dans la prise en main. Donc, bah... A bientôt pour le test sur AndroGames.fr.